Yosh les Fonfreluches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur la chaîne. Et aujourd'hui on va parler de la boutique Toine Toine Asian Market. C'est ma boutique Asiat. Enfin bref, pour dire c'est une boutique où tu peux acheter des produits asiatiques, donc de la bouffe. Et comme nous on adore de la bouffe, et ben on a accepté. Donc là on va te présenter des produits. Et en fait c'est un site internet, je l'ai dit ? Tu l'as pas dit. Ouais, je l'ai pas dit, en fait c'est un site internet où tu peux acheter des produits asiatiques, donc thaïlandais, japonais, chinois, enfin tout ce qui est bridé. Et puis à des prix débridés. Ah ! Oh putain, elle est bonne celle-là. Enfin bref, on va commencer tout de suite avec la première chose qu'on va goûter. Question, sont-ils en convention ? Et oui, ils sont souvent en convention, donc ils parcourent les conventions en France. Et c'est d'ailleurs là qu'on l'a rencontré, parce que c'était mon collègue, ma boutique où j'achetais tout ce qui était boisson un petit peu bizarre. Parce que moi j'aime bien goûter des choses. Et du coup, le feeling est bien passé. Et puis on a décidé de leur faire plaisir en faisant une vidéo pour eux. Enfin, je les remercie. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Oui. Et bah c'est parti. Je vais choisir. Et bien on va choisir. Attends, on va commencer dans le soft. On va prendre donc ceci. Ce sont des rouleaux de riz au chocolat. Donc ça, je pense que ça peut être pas mal. Oh non, c'est répugnant. Alors ? Attends, je vais goûter, je dis rien. Eh bien ça, c'est patate. Moi j'aime bien. Moi personnellement, j'aime bien. Tu sais ce que je veux dire ? Parle plus fort, hein, parce que les gens, si tu parles comme ça... Mais tu sais, ça me fait quoi penser ? Ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la voix. Donc ça me fait penser au Coco Pops. Ah c'est vrai, Coco Pops version chinoise ou japonais, qu'est-ce qu'on sait pas. Oh j'en t'étonne. Donc du coup, là je pense qu'on va partir dans le space tout de suite. Non mais moi je choisis. Vas-y, choisis. Donc, ce sont des algues au wasabi. Et ben, en tout cas ça a l'air plutôt... Oh la vache! Wouh! Eh attends, je fais le tug. Là, je suis parti là. Oh la vache! Wouh! En fait, ça pique, mais sur le coup. Ah ouais, mais là. Oh. Attends. Ben moi je propose, on va tout de suite commencer avec une boisson, hein, parce que là, waouh, je vais choisir quelque chose que t'aimes pas. En fait, elle aime pas tout ce qui est yaourt avec des grumeaux, ou tout ce qui est... J'aime pas quand il y a des morceaux. Voilà, quand il y a des morceaux. Et là-dedans, en fait, il s'avère qu'il y a des morceaux de coconut, ce qui veut dire noix de coco en français. Merci. Et du coup, eh bien, on va goûter. Allez, c'est parti. Boisson à la noix de coco. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça, je valide. Non, je valide. Non, mais en tout cas, ça vient vraiment l'odeur de... De la noix de coco, ouais. Tu sais, de la vraie noix de coco. Ouais, pas de... genre la noix de coco que tu mets dans les gâteaux, tu vois. Vraiment la vraie noix de coco que tu ouvres toi-même et que tu vois. Ouais, la grosse... Le lait de noix de coco. La grosse noix de coco, bien... La grosse, voilà. Là, un peu comme Tenny Bar. Bon, allez, vas-y, bois, là. Oh, moi, j'aime bien. Je te laisse choisir l'autre objet pendant que je tease. Ouais bah non, profite pas trop. Tiens, on va prendre ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des mini-bars de pépins de potiron saveur thé vert. Alors, des noix de pépins de potiron. Pas des noix de pépins, des pépins de potiron saveur thé vert. D'accord. Attends. Alors, je précise quand même que le thé vert et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Hein. T'as vu, on dirait des crottes de chinchilla. Oh, c'est bon. Mmh. Hein, c'est bon. Mmh. Ça me fait penser un petit peu au gâteau d'apéro en fait. Hein? On sent plus le pépin. Non! C'est dégueulasse, putain! Alors, ça, c'est des bonbons à sucer pour la gorge. Donc, du coup, tu choisis vert. Ok, je me suis fait bolos. Ça a l'air d'être à l'orange, le mien. Donc, en fait, ça, c'est riz chinois. Alors, je dirais melon. Moi, je dirais citron. On n'a pas les mêmes. Le mien. Mais ta gueule! Donc toi, citron? Ah, quoique. Non, moi, c'est pomme. Alors, ce sont des chips aux crevettes, c'est ça? Chips aux crevettes, ouais. Donc ça, ça paraît classique. À voir, peut-être que ça a une autre texture. À voir. Oh, ils sont toutes petites! Ah! C'est des chips crevettes traditionnelles, en fait, mais en version miniature.
Mais tu vois, je trouve plus aromatisé en crevette que ce qu'on achète par exemple à Lidl. Ouais, plus aromatisé. Et en plus de ça, en fait, eh bien, le contenu, voilà, c'est pas bouffé par, comment dire, de l'air. T'as pas 70% d'air. Voilà, dedans, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mm. Et ça, c'est un bon point. Ouais. Ça, j'aime bien. Ouais. Donc, du coup, on va continuer avec ceci. Alors là, ça paraît étrange quand même. À première vue, on dirait des cookies chelous. Eh ben, c'est un biscuit au riz aux algues. Biscuit riz aux algues. Ouais, mais on fait moitié, hein, ou tu veux en prendre un chacun dedans. Non, ça, c'est bon, ça. Mmh. Mmh. Moi, j'aime bien. C'est un petit goût un petit peu comme des gâteaux, pareil, apéro, mais avec ce petit truc avec des algues. Alors ça, c'est une boisson litchi gazeuse. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Moi, personnellement, je connais, j'en ai déjà bu dans des restaurants asiates. Et c'est vachement bon. Moi, j'adore le litchi déjà de base. Moi, j'adore la gueule de la canette parce qu'elle est en plastique. Elle est en plastique et en plus, c'est transparent et c'est super beau. Genre, quoi. On dirait qu'ils ont mixé le cul d'une bouteille et la tête d'une canette. C'est rigolo. Mmh. C'est vachement drôle. Bah oui. Tu peux pas faire des bruits propres. C'était vraiment dégueulasse. Mmh. Quoi? Oh non. Alors? Ouais. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bah, c'est pas assez gazeux. Biscuit au riz salé. Oh là là, c'est des Asiatiques, ils aiment le riz. Alors, en fait, ça part de la même thématique de ça, sauf que t'as pas les algues. Et tu sens plus le goût de sel. Gâteau au riz au thé vert. Hop là, donc c'est présenté comme ceci. on dirait des petites couilles de perroquet. Moi, j'aime bien. Alors, sacré perroquet, hein, pour le coup. Hein. Ah, par contre, je crois qu'on aurait dû prendre un ciseau. Osef le ciseau, Dieu nous a fait des dents. Oh. Sachez qu'il ouvre les canettes de bière comme ça aussi, hein, avec les dents. Et bah voilà, je te laisse choisir une petite couille de perroquet. Bah moi je trouve ça bon. Ouais, ah non c'est bon, bah voilà. Je pense que, eh bien Antoine Boutique, tu m'as réconcilié avec le thé vert. Merci, hein. Honnêtement je kiffe bien. Donc du coup on va partir sur ceci. Ce sont des petits gâteaux à l'ananas. Donc ça voilà, petit gâteau à l'ananas. Et tu sais ce qu'on dit? Toi l'ananas, toi tu m'agaces. Alors à l'intérieur ouais c'est un petit peu fourré. Mais c'est vraiment dégueulasse. Ça me rappelle un peu les gâteaux que je mangeais chez ma grand-mère. Tu sais là, les petits gâteaux ronds qu'on trouve au supermarché avec c'est fourré. Mais par exemple à la framboise, à l'abricot... Ouais, ouais, ça part du même principe, ouais, t'as raison. Là, du coup, je te laisse choisir une boisson parce qu'il se fait soif. Non, la brique. Ah, mais tu me laisses pas choisir. Non, la brique. Tu me laisses pas choisir, alors. Parce que là, on part dans un truc un petit peu spécial, quand même. Du jus de coco au litchi. Alors? Bah moi j'aime bien. Donc qu'est-ce que c'est s'il te plaît chouri, parce que là... Ce sont des chips de nouilles à saveur barbecue. Alors des chips de nouilles... des nouilles. Ah c'est tout petit. Oh, c'est tout petit. Alors en fait comme ça là, d'aspect, on dirait en fait les nouilles instantanées mais qui sont pas cuites. Donc pourquoi pas. Ça pique, ça pique. Mais non ça pique pas. Si ça pique. Mais non. Si ça pique. Mais c'est vachement bon. J'espère que je vous donne envie. Bah du coup je te laisse présenter le dernier produit. Ah non, non. Putain, excusez-moi. Ce sont des rouleaux gaufrettes à la crème à la vanille. À la crème à la vanille. Donc à la vanilla creamy. Alors comme ça, non ça me fait penser à des gâteaux ça, hein, déjà. Il y a des gâteaux qui ressemblent à ça. Comment ça s'appelle? Je sais pas. C'est dégueulasse. Oh c'est vachement bon. Il faut aimer la vanille, hein, je le dis, parce que la vanille est très prononcée quand même. Donc on va terminer par le dernier objet, le dernier produit. Donc là, c'est quoi? C'est de la grenade. Ah, tu vas pas aimer. Pourquoi? Tu vas pas aimer, toi, c'est sûr. Tu sens la grenade, mais ça a quand même un petit arrière-goût du fond du placard. Honnêtement, moi, personnellement, j'aime bien. Après, Chouri, je la connais, hein. Comme si je l'avais faite. Ça va prier de ne pas regarder mes lolos au moment où tu dis ça. Je pouvais pas conclure cette vidéo sans refaire manger quelque chose de piquant à Chouri. Parce que d'habitude, elle le fait pas. Et là, j'en profite parce que je suis vraiment un connard. Et du coup, je vais te demander de mettre 3 feuilles de wasabi en même temps. T'as pas le droit.
en même temps dans bah ta alors, bouche. Bah alors tu le fais aussi. Non. Bah si. Tu les manges les trois. Moi j'en mange une pour t'accompagner. Je suis un homme. Faut que je mette les trois en même temps. Les trois en même temps. Mais je vais pleurer. On s'en fout, hein, t'es là pour pleurer. Allez, vas-y. Oh. Ah, ça me donne pas du tout envie de le faire, quoi. En tout cas, voilà, je tiens à remercier... Je tiens à remercier, en tout cas, bien, Toine Asiat Market. Donc je vais mettre le lien de la boutique sous la description de la vidéo, enfin dans la description de la vidéo. Honnêtement, bah, les produits sont vachement abordables et on peut trouver tout, vraiment tout. Tu peux trouver du salé, du sucré, des boissons. Et franchement, honnêtement, sur tous les produits qu'on nous a envoyés, eh bien j'en connaissais que un. Donc franchement, honnêtement, c'est une belle découverte. Et moi-même, je vais moi aussi je vais commander. Donc du coup, merci à toi Sébastien d'avoir envoyé tous ces produits. Honnêtement, je suis très heureux. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur leur boutique. Les suivre aussi sur Facebook. Je vais vous mettre le lien également. Sur ce, nous, on vous laisse. Allez, tchuss. Tchuss.